Ah, d'avoir un truc là-bas. Better keep that safe. The coast looks clear. Il a écrit quelque chose, il a chiffonné. The coast looks clear. Better keep that safe. Qu'est-ce qu'il foutait là-haut? Je peux remonter là-haut, non? Je peux pas interagir. Révélé. Qui a été caché ou tout qui traînait. Je peux remonter là-haut ou pas? Qu'est-ce qu'on a là? Putain d'enfoiré. Sam, je t'écris ce mot au cas où les choses tourneraient mal. J'ai réussi à récupérer le code du coffre de Brem. Eh bah bingo. La source qui m'a filé l'info a l'air fiable. Je n'ai plus qu'à tenter ma chance. C'est vrai qu'il y avait un bruit. C'est le bruit qui m'a poussé des coups de chaud. Je vais sans doute trouver ça trop risqué, mais tant pis, j'ai besoin de savoir ce qu'on me cache, tous ces mystères autour des ex-sanguinés, le terroriste, j'en peux plus de ces conneries, tu m'étonnes. Il faut des réponses, je veux découvrir qui sont vraiment ces gens, pourquoi l'église est mêlée à tout ça, pourquoi on falsifie systématiquement les rapports, j'ai conscience de la tempête de merde qui me guette. Tu m'étonnes, mon pote. Alors je te le demande, si ça finit mal, prends la relève, tu es la seule en qui j'ai confiance, il y a une personne avec qui on peut réussir, là où j'ai échoué, c'est toi. 05-2-11. C'est une date, j'espère malgré tout, parce qu'on en a 0,5 de. Ah, et puis on peut pas. Alors, ça c'est stupide, hein. Y a vraiment des mécanismes dans le gameplay qui sont assez incompréhensibles. Hein. Qu'on puisse parvenir, le fait que. On puisse pas utiliser la clé, que la personne laisse tomber pour sortir, pas pouvoir sucer le sang des types. C'est quand même fort de record. C'est le 5 de 11. Ça n'a rien à voir avec ce truc alors. C'était un leurre, c'était pour nous leurrer, ça a bien marché. Hein. Là aussi, pourquoi je peux pas courir. Alors. 05, 02, 11. Tadam! Alors. Better not leave it here. Clôturer la clôture du cave Brimton a soulevé plus de questions que je l'imaginais. Waterman a essayé de me faire changer d'avis en arguant que ces hommes ne comprenaient pas ma décision. Ils se sentent mis sur la touche, c'est bon, hein. Je les blâme pas. Point de vue extérieur, rien de tout cela n'a de sens. Ils sont tellement investis et dévoués, entendent que la direction piétine leurs efforts sans raison valable doit forcément les atteindre. Je me dis parfois que tout serait nettement plus simple s'ils savaient. Je sais que vous ne partagez pas cette opinion, mais je pense sincèrement qu'on gagnera en efficacité en mettant les chefs de poule au parfum. Ils pourraient manager leur équipe en sachant quoi surveiller en priorité, et comme dans le cas de Brinton, savoir identifier les fausses pistes quand elles se présentent. On économiserait un temps précieux, un temps qu'on pourrait réinvestir ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. The informant goes by Corvus. I need a name, not an alias. Ah oui. Bien reçu le rapport de vos équipes concernant Corvus. C'est intriguant en effet. Je ne vous cache pas que cette situation me met mal à l'aise. Soit il est l'un des leurs, soit il les côtoie depuis très longtemps. Dans tous lesquels, il va falloir se montrer prudent. J'ai malgré tout conscience du caractère prodigieux de l'événement. Vous avez mon accord pour poursuivre vos investigations, continuez à analyser les datas que ce type vous envoie de mon côté. Je vais convoquer plusieurs profilers pour tenter de dresser le profil de cet informateur. Vu l'ampleur de l'affaire, je vais sans doute devoir remonter la découverte au Vatican. Attendez-vous à devoir bientôt collaborer
avec les cubes bénis, merde. An email address. Rafa should be able to do something with this. Alors voici l'adresse. Elle, c'est cool. Contacter Rafa. Rafa, do you copy? Loud and clear. Can you hack an email address? A three-year-old could do it in their sleep. Get me the incoming server, and I'll do it. I'll get back to you. Wait, have you heard from Saul? Yeah. They made it in. Their radios are off, so they won't be detected. Oh. Well, keep me posted. Over and out. Okay, on a...